Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, vous m'accompagnez une nouvelle fois dans une petite vidéo où on va aller dans une boutique que vous connaissez maintenant, que je vous présente de temps en temps sur la chaîne Book Off. Sauf que là, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même quartier, ce n'est pas Tokyo. Je suis sorti de Tokyo pour aller voir ce qu'il y a de beau dans ce Book Off bien précis. Où est-ce que je suis concrètement? À Kawasaki, pas très loin de Yokohama. Et il y a un Book Off normalement qui te retourne pas mal le cerveau, de la figurine, du jeu vidéo, des bouquins, des artbooks, des CD de musique, bref, la totale. Aujourd'hui, on va principalement se pencher, je pense, sur les figurines, ce qui est tout à fait logique. Après, j'irai voir tout de même le coin jeu vidéo, s'il y a tout de même de quoi vous présenter certaines allées, tout simplement. Je vais tourner un petit peu la caméra, comme ça vous pouvez un peu en profiter. C'est à la sortie de la gare. Vous avez la gare qui est juste là. Vous sortez, Book Off. Bah écoutez, je viens d'arriver, comme quoi, hein, vous voyez, la gare est à côté. Vous savez ce que je veux dire? Tu es chaud. Je suis chaud. Et on y va. Allez messieurs, dames, nous arrivons du coup à la boutique, qui je vous rappelle est une boutique d'occasion, entre les livres, les jeux vidéo, les figurines. Par contre, ça a bien changé. D'entrée de jeu, il y a des bouquins, à moins que je me suis trompé d'entrée. Mais, putain, ça rend fou, on est d'accord. Rien que l'aller, là. De quoi retourner la tête. Du coup, je vais en profiter pour aller voir si Kimetsu no Yaiba, volume 17 et 18. Hein. J'ai bientôt torché la série, et c'est bon, ma gueule. Étant donné que les mangas d'occasion ne sont pas trop chers ici. Alors, regardez, des mangas partout. Encore des mangas partout, les gens lisent, alors qu'il y a écrit en gros, s'il vous plaît, ne lisez pas, ne stoppez pas, qu'est-ce que vous faites? On s'en bat les steaks. Le Covid, c'est quoi le Covid? J'en sais rien. Bon bref, 20% sur des joujoux, ou pas? Non, c'est une autre connerie. Donc, de la ceinture pour adultes concernant les Kamen Rider, avec des rendus qui claquent vraiment. Celle de Faizu, five, coûte normalement une blinde, elle a 12 000. Normalement, ce sont les ceintures, hein, si j'ai pas de conneries. Alors, attendez que je vérifie. Ouais, c'est ça, ce sont les ceintures taille adulte. Donc, c'est pas cher. Ça me trouve le cul. Franchement, au niveau prix, c'est pas cher du tout, là. Pourquoi? Peut-être qu'ils ont du stock. On sent vraiment qu'il y a un collectionneur qui a débarqué. Il a vendu tout ce qu'il avait. C'est sûr. Le mec est venu ici, il a tout vendu. Du coup, on a encore du Kamen Rider. De la SH Figure de Kamen Rider. Mais c'est sûr, le mec il a vendu sa collecte là. Quand tu vois un truc comme ça, le mec il est venu avec des valises, des cartons, il a dit allez, je revends tout, tant pis. Il me faut de la thune. Bref, on va aller voir ce qu'il y a de beau dans les parages. Donc même si les figurines sont sous vitrine, eh bien c'est de l'occasion. Et même si elle est neuve, je vous rappelle, parce que c'est de la seconde main, c'est de l'occasion. Encore du Kamen Rider. Là, on est dans l'univers des super-héros, tout ce qui est tokusatsu, Metal Hero, d'accord, tout ce qui est armes et ceintures pour enfants, parce que public disait à la base pour tout ce qui est super-héros, ce sont les enfants. Encore du Kamen Rider, en veux-tu, en voilà. Kamen Rider, en veux-tu, en voilà. Du Star Wars, de la pop, putain de merde. Bon, bref. Martita. Non, on est pop, j'ai du mal. Ils ont déplacé les cartes. Avant, c'était près des caisses. Et là, on a des cartes. Putain, quand tu vois les prix, comme ça a bien chuté pour certaines cartes, alors qu'on s'était vendu dans les 10 000. Là, je vois des trucs, on est dans les 2 000. Donc, des cartes Dragon Ball, tout ce qui est Dual Master, Yu-Gi-Oh, Kamen Rider, comment s'appelle, Magic. Voilà, donc là c'est un petit coin réservé aux super-héros et aux cartes. Maintenant les amis, on va faire le tour au niveau des vitrines. On a quoi? Du Gundam, de la maquette, encore de la maquette. C'est pas très cher je trouve. Encore de la maquette. Là des maquettes faites ou pas faites. Il y a du neuf et de l'occasion. Même si, je le rappelle, le neuf c'est de l'occasion. Encore des robots, encore des mechas, encore des machines survoltées. Je vois du One Piece pas très loin. De ce côté-là, encore de la maquette. Et là, il y a du My Hero Academia.
Donc, Ichiban Kuji, My Hero Academia. My Hero Academia, tout ce qui est figurines de Game Center, WCF, des figurines en loose, de l'Eva. Qu'est-ce qu'on a là? Du One Piece. Qu'est-ce qu'on a en One Piece? De l'Ichiban Kuji, du Game Center. Totalement logique. Du Luffy. Les prix sont un poil plus élevés que les tarifs qu'on peut voir à Tokyo même. Alors que là, je suis en extérieur. Après, c'est super accessible. Hein. Les tarots, c'est cadeau, quoi. Figurine en loose, du coup, sans les boîtes. Au prix limite avec boîte. Figurine assez rare. Celle-ci, pour la trouver, est assez compliqué. En plus, pas très cher, 2500 yens. Bon, One Piece à gogo. Oh, il y a tout un coin Dragon Ball. Mon cerveau s'arrête. Qu'est-ce qu'on a de beau aussi? Donc du One Piece en 12, Pearls, WCF, Glitter and Glamours, Grandista, de la Glitter and Glamours. Bon, je veux surtout voir le coin Dragon Ball et qui met dessus, mais je regarde quand même s'il y a des trucs sympas côté One Piece. Bon, Dragon Ball les amis, c'est parti. La Yamcha, Last One. Ok, alors je vais essayer de filmer en haut. Très compliqué, mais vous avez la gigantique de Rosé qui est à 18 000. Je pense que vous l'avez vu. On a de la Last One, de Android 21, de l'Ichiban Kuji, en veux-tu, en voilà, de Vegeta, de Gogeta, de Goku, le Migat, des figurines Vegeto, Gogeta, exclusive à Taito. De la Maximatic, de la Grandista. Il n'y a pas les figurines que je recherche. Pas très chère celle-là. L'aspect, celle-là je pense que je vais la prendre. Ouh, une vieille Freezer. Une vieille Freezer DX. Pas très cher. Pas très cher. Putain, dommage qu'il n'y a pas l'autre forme. Sur la final form, je m'en fous un peu. Pas très très cher. DXF, du coup, Dragon Ball Heroes, Blood of Science, ça aussi, regardez, là, tire au-dessus, ce que je vous disais, 4500 yens, 4500 yens, il y a même un anti-voile dessus, très très rare, qu'est-ce qu'on a d'autre, de la fesse, de la Dragon Ball Heroes, de la Dragon Ball Legends, collab, oui, du Goku Migat, du Migat. Non, je pense que je vais prendre la Charlotte. Et le rosé dégueulasse qui est là à 2400. 4450 yens, il est pas très cher le Dylan, hein. D'habitude c'est beaucoup beaucoup plus, hein, je vous le dis. Après on a des figurines en loose un peu partout. Figurines en loose, ouais, sans plus, qui sont pris avec les boîtes. Alors, figurine dans les vitrines, qu'est-ce qu'on a? Du Thales, WCF, de la One Piece, Imagination Works, SH Figure Arts, de l'Ichiban Kuji, on a du Shaman King, ok, putain, de la Demoiselle en mode sulfureuse, bordel de merde, Boa, Mega House à 12 000 yens, pourquoi pas, de la Pop, de One Piece, Piupi, hein, Portrait of Pirate, de la My Hero Academia. Ouais. Je m'attendais à un rayon un peu plus conséquent, un peu plus gros concernant l'univers Dragon Ball, étant donné qu'ils avaient vraiment un rayon assez violent. Là, c'est tout léger. C'est tout léger. Dans les parages, j'ai quasiment tout. Ah, il a Resolution Soldiers noir et blanc, du coup. Trunks et Mister Satan. Ouais, je sais pas. Figurine en loose. Figurine en loose. Qu'est-ce qu'on a en loose? Ah, de la Sculptures. Que je trouve dégueulasse. Je la trouve dégueulasse. La tête, elle est dégueulasse. Mais l'idée est bien. Hein. L'idée est bonne. L'idée est excellente, mais... raté, quoi. De la légende. Collaboration. Du Vegeto, de la Master Stars Peace, du Gogeta,
méga chapeau avec les LED qui coûte une blinde. Bah écoutez, on a fait le tour. Hein. Côté Dragon Ball, on a fait le tour déjà. C'était ultra rapide. Alors les amis, on continue. Du Senseiya en loose. Du Senseiya en loose. De Jojo's dans les parages. Jojo's. Senseiya, Captain Tsubasa, la Grandista. Yu-Gi-Oh, Naruto. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De la loose. Persona, petit personnage du mignon croqué en SD. Du Sakura Captor à l'ancienne. Peluche un peu chou quand même. Ou et Kimetsu. Oh là là, mon ami. Voir un peu la petite Fujiko, elle est terrible. Elle est terrible, elle est sortie quand TV version. Elle est superbe. Magnifique. Attendez, il y a une autre Fujiko là. Typée à l'ancienne. Dive version. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah écoutez. Putain, il y a du Devilman aussi. Ah, quand je vous dis que je suis un vieux de la vieille. Bon, bref. Je pense qu'on a fait le tour. Super Sonico dans les parages également. De la figurine en loose. Après, là, on est coin des demoiselles. Demoiselle, en veux-tu, en voilà. Du mignon, du choupi, du tout ce que tu veux. Des petits badges. D'accord. En vitrine, de la demoiselle. De la demoiselle un peu olé olé. Bon, là, je suis dans le monde du gnangnang. Désolé, mais là, je zappe. Voilà, vous avez vu rapidement. En 2-2. Putain, il y a encore le monde du gnangnang. Mais c'est un carton gnangnang land. Gnangnang land. Je veux... Ah, il y a du Fate. Fate, pour ceux que ça intéresse. Du petit Fate. Ok. Sword Art Online. De Hatsune Miku qui est terrible. J'ai quelques figurines à la maison, mais pas pour moi. Hein. C'est les figurines de madame. Qu'est-ce qu'on a encore dans les parages? Du Nyan Land. Mais où est Kimetsu no Yaiba, bordel de merde? Donc là, ce sont des... Ah, c'est tout? C'est pas vrai. Il y a que ça? C'est la loose. C'est la loose. Pour une licence qui cartonne, c'est la loose. Bon. Personnage qui me sort par les yeux. Dégage. La petite Nezuko, Ichiban Kuji. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas. Tanjiro, Ichiban Kuji. À voir. Mais y a que ça. Après, ce sont les badges à la con. Eh ben putain, je suis dépité. Les prix, on est dans les prix habituels. Hein. Enfin, ça va, il y a des trucs un peu moins chers. Je sais pas ce qu'elle vaut du coup, la Ichiban Kuji derrière avec Tanjiro. Il faut savoir que le design est très différent, je trouve, entre le manga et l'anime. Et celle-ci, elle peut peut-être me faire de l'œil. Je sais pas ce que ça vaut. Avec la petite caisse en mode tout sourire, en mode joyeux. À voir. Zelda no Desensu, qu'est-ce que c'est que c'est? Quoi? Qu'est-ce que c'est, Taito? Oh. Oh. Ça, c'est pas mal, ça. Oh. Ça va, Marty? Oui. C'est licencié Nintendo. C'était dans les Game Center. À voir. Bouge pas, toi. Du Sakura Card Captor, du coup, en Ichiban Kuji. Et qu'est-ce que tu veux d'autre? À part rien. Non, je suis un peu déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Parce que c'était un book-off assez populaire. Assez gros, entre guillemets. Où tu sais que tu trouves des trucs assez rares. Et là, je trouve ça très moyen. Il y a un poster. My Hero Academia. Ouais, simple. Putain, s'il y a des posters Dragon Ball ou pas? Non, je pense pas. Je ne pense pas du tout. Là, avant, c'était... tout un rayon, mais vraiment tout ça là, c'était Dragon Ball One Piece. Là, c'est Gnangnang Land, quoi. Tu sens que les badges et les machins cartonnent de ouf, quoi. C'est dommage. C'est vraiment, vraiment dommage.
un autre coin Kimetsu no Yaiba, mais il y avait des figurines un peu plus chères. Effectivement, le prix pique légèrement. On a de la Ichiban Kuji dans les parages. On a de magnifiques... un double Shikishi incroyable. Il est superbe à 6400 yens. Il y a des Tamagotchi Kimetsu no Yaiba. What the fuck? C'est génial. C'est pas très cher. Et elles ont l'air terribles les deux là. Elles ont l'air terribles de chez terrible. Un peu de Pokémon. Bah écoutez, à part la montre, Zelda, je vois pas sur quoi je peux craquer quoi. Enfin, si le petit Dragon Ball là-bas, on verra ce que je vais prendre. Parce que je pense qu'il y a des trucs que je vais craquer. De la figurine en loose. Des trains. Alors ça, ce sont des collections complètes de mangas. En veux-tu, en voilà. Mais j'irai tout à l'heure. Ah bah, Kimetsu. Kimetsu complet à 9500 yens. Alors, c'est pas très cher. Mais je les achète en loose. Dans les 100-200 yens. Hein, ce sont des mangas d'occasion. Et la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, mais je m'en fous, hein. C'est juste pour les lire et après m'en débarrasser. J'irai voir juste après, mais il y a un peu de monde, donc ça me saoule. Donc voilà, concernant l'univers des figurines, encore une fois, je pense que vous l'entendez à ma voix, je suis un poil déçu, je m'attendais à bien mieux. Ils ont remplacé vraiment tout cet univers de figurines One Piece, Dragon Ball et tout ça par des badges. Des putains de badges. Fais chier. Alors... Hop. J'ai cru que j'avais fait tomber un truc, mais ce n'est pas moi. On va aller du coup du côté des jeux vidéo. On a tout un coin Switch qui est mis en avant. On a du coup les vitrines, je pense que vous l'avez vu tout à l'heure, des vitrines de consoles, de la PS4, de la PS5 vendue à 65 000 yens d'occasion pour la Digital Edition. C'est comme si je vous disais 650 euros. Des accessoires PS4 et compagnie. Le PSVR, Switch d'occasion. J'aimerais bien voir les jeux Super Nintendo. J'attends que Madame bouge. Ah, enfin bon, de ce côté-là, nous avons du coup PS4, Nintendo 3DS. Donc, jeux d'occasion. Hein. PS4, PS4. De la PS4, il n'y a pas de PS5. De la 3DS. 3DS, moi je cherche le point rétro. PS Vita, mais en même temps je vous montre. Le collector, c'est pas vrai, le collector de Megaman 11, il est à 1500 yens. Tu te fous de ma gueule. 1500 yens? C'est pas vrai. Parce que c'est cadeau là. C'est méga cadeau quoi. Jeu sympathique, franchement j'ai adoré. Mais 1500 yens le collector, il manque des choses, faut que je check après. Et en plus il y a 10%. Ouais, parce qu'il y a quelques problèmes, mais bon. Au Japon, un problème c'est oh, on a on a une griffure sur la boîte, on baisse le prix de 50%. Ouais. Putain, Secret of Mana, 11 000 yens sur PS Vita. Regardez le collector. Secret of Mana, oh là là. Putain, il est costaud. Le collector de costaud. Alors, le coin rétro. La PS3 fait partie du rétro maintenant. Hein. Donc les jeux Dragon Ball, les jeux Naruto, les jeux Street Fighter, tout ce qui est le coin fighting, les jeux action. Le Raging Blast 2, pendant une très très longue période. Voilà, maintenant il a 1500, 1600 yens. Mais pendant une période, c'était à 8000. Parce que dedans, vous avez un animé. Et ils étaient à fond les japonais sur ça. Maintenant tout le monde s'en bat les steaks. Ouh, les CD Dragon Ball. Il y a un joli coffret là. Oh, ce coffret il est incroyable. Il est terrible. Je l'ai mais en France. Il n'y a pas grand chose en Naruto. Oh, en Naruto, putain je suis fatigué. En Dragon Ball, juste ça. Il est vraiment vraiment incroyable. Faudrait que je le fasse, on va dire, importer. Donc là, ouh. Là, c'est mon coin, là. Ouh, là, ça fait du bien. Donc, PSP, PS2, PlayStation,
Vous avez du Chrono Trigger version PlayStation de la version Slim, je sais pas quoi. Donc le jeu est en caisse, j'imagine. Sinon, ça serait con de vendre uniquement la boîte. Des Crash Bandicoot 1, 2, 3. Enfin, il n'y a pas le 1, il y a le 2, le 3. Qu'est-ce qu'on a dans les parages? Du Chrono Cross. On a également du Xenogear. On a également des petits jeux à la con. Il n'y a pas grand-chose en PlayStation, je m'attendais à mieux. Du Rockman X, Megaman X. Qui est pas cher. 1000 yens, c'est pas vrai? Le 4 à 1000 yens? 500 yens? Pourquoi? Pourquoi? C'est pas ses prix hein, à la base, hein, je vous le dis. Mais c'est quoi ces prix de port là? C'est cadeau. Ou je pense que je vais les prendre. Le X3 il a combien? Ah, le X3 il a 4 millions. Ouais, d'accord, et encore c'est la version select. Par contre, what? What the fuck? Oui, c'est vrai que le manuel est quand même abîmé. C'est vrai. Bon, 500 yens, mais putain. Mais celui-là je l'ai. Par contre, le X4 je l'ai plus. Je l'avais revendu. À 1000 yens. Je pose, mais je vais faire un tour après tranquille. Rien dans les parages. De la GBA. Putain, la musique me casse les oreilles derrière. J'ai envie de péter le haut-parleur. Alors, de la GameCube, les amis. En veux-tu, en voilà. Du Zelda. En veux-tu, en voilà. Et voilà, il a combien le Zelda? Celui-là, il est terrible. J'ai adoré. J'ai adoré le faire. Les musiques sont superbes. Celui-là, il est à 1600. D'habitude, ouais, c'est dans ce prix-là, oui. J'allais dire c'est un poil plus cher, mais non. C'est dans ce prix-là. Du côté de la Super Nintendo, on a ici Chrono Trigger à 980 yens. Merde, mais c'est quoi ce prix? Ah oui, mais il y a des stickers, c'est tout défoncé. Bon, d'accord, j'ai compris. Le Street Fighter de Turbo, 980 yens. Vous avez ensuite le Star Fox, ici à 980 yens. Secret of Mana. le Super Mario Kart, il est à combien le 980? Bon, tous les jeux sont à 980 yens. Le Super Mario World, 1980 yens, évidemment. Le Collection, à 2000 yens. C'est un peu plus cher le Super Mario. Le Donkey Kong 2, 980 yens. Ensuite, on a Front Mission. Front Mission, il a combien? 510 yens. 510 yens. Qu'est-ce que ça manque les... Oh putain, je l'avais celui-là. Oh là là, que ça exploitait les la console. Ils avaient foutu une puce dans la cartouche, je sais plus trop quoi, pour avoir un effet 3D. Qu'est-ce que c'était nul. Mais c'était bien. C'était nul, mais c'était bien. Du coup, le Mario 3 sur NES. Le Yoshi, Tamago, machin, avec les gens, on s'en fout. Un spécial des Dragon Quest. De ce côté-là, de la Game Boy. Ouh, toi. Toi, je sais plus si je l'ai. Non, je l'ai plus celui-là. Je l'ai pas celui-là. Parce que j'aimerais l'avoir en bon état. Il est quand même défoncé. Il est pas tricheur. Côté Dreamcast, c'est quand même la loose. Il y a quand même Shenmue 2. Côté Sega Saturn, bah c'est pas la joie non plus. Vraiment pas la joie. Celui-là je l'ai. Je l'avais chopé en ville grenier à 100 yens je crois. Et puis voilà, on a fait le tour hein, les photos. Voilà. Petit coin sympathique, oui, non. Ça manque de gras et de consistance. De ce côté-là. CD de musique. Bon, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Là, c'est tout ce qui est DVD, Blu-ray, animé, Disney, Kinnikuman, Gundam, Dragon Ball. Bon, bref, qui coûte une blinde. Hein. Ça, ce genre de produit, ça arrache la culotte. Hop là. Le Broly, il a 26 euros le DVD, le film. 26 euros le film. Moi, je fais une conversion au coût de la vie. Hein. Je me prends pas la tête. C'est comme si moi, je claquais 26 euros pour un film en DVD d'occasion. Voilà. C'est cher. Hein. Oui, je pense que c'est très cher tout ce qui est DVD Blu-ray. J'hésite pas du coup à importer moi de mon côté. Du côté de la Super NES, on a du Super Metroid qui est assez rare. Du coup, le prix normalement, voilà, on est dans les 5 000 yens, 6 000 yens, voire 7 000 yens.
du Kamen Rider dans les 10 000, du Megaman X, du Bomberman 5. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Le Megaman 6 sur NES qui a plus de 10 000 yens. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein. Bon, comme vous l'avez vu, eh bien, c'est un book-off, certes, sympathique, surtout si vous n'avez pas l'habitude de voir ce genre de rayon et de boutique. Mais pour moi, c'est quand même de la petite déception parce que cette boutique-là, précisément à Kawasaki, elle est connue pour avoir de beaux rayons bien blindés, bien conséquents, bien gras. Et là, tu sens que les mœurs changent et la consommation, les consommateurs, les envies des consommateurs bougent également. Et du coup, la boutique s'adapte en fonction. Ce que j'entends par là, c'est qu'on se retrouve avec des badges, avec des pins, avec des petites peluches, des rayons entiers uniquement de ça. Je trouve ça complètement ouf. Et côté Dragon Ball, côté figurines, côté univers, on a plus grand chose. Il reste quelques figurines qui se battent en duel. Voilà. De mon côté, est-ce que j'ai craqué pour certains trucs? Oui, c'est dans mon sac. Mais ça, on en parlera plus tard. Et vous aurez le petit déballage qui arrivera sur la chaîne. J'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!